Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Maxime et chez Eleanor pour vous proposer une vidéo sur la DS5. Aujourd'hui nous allons poser des élargisseurs de voix. Donc j'ai eu la chance d'avoir des élargisseurs de voix de la marque AR Motoren qui m'ont envoyé donc du coup des élargisseurs de voix 12 mm à l'avant et 12 mm à l'arrière, mais aussi du 5 mm parce qu'en fait on ne sait pas encore, on a fait les mesures avec Maxime la dernière fois. On ne sait pas encore si on va poser du 5 mm à l'avant ou du 12 mm. En fait, AR Motoren m'a conseillé de mettre du 12, mais j'ai peur qu'en mettant du 12 à l'avant, c'est un peu trop. Et du coup, ce que je leur ai suggéré, c'est que si je ne pose pas les 12 à l'avant, bah de les faire gagner lors de cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin, vous verrez si ce sera les élargisseurs de voix en 12 mm ou en 5 mm qui seront à gagner. Qu'est-ce que c'est des élargisseurs de voix? Il faut savoir que moi, de base, bah, je ne connaissais pas les élargisseurs de voix. Et c'est Maxime qui m'a conseillé d'en poser, parce qu'il considérait que bah, tu trouvais que les roues ne ressortaient pas assez. Ouais, toujours dans le projet d'améliorer la voiture, en fait. Une fois qu'on est parti, c'est vrai que la voiture n'avait pas ces jantes-là au départ. C'est ça. Et une fois qu'on a changé les jantes, c'est vrai que des fois, on continue. Et on se disait que enfin, ce que je proposais, c'est de les élargir un peu, pour qu'elles épousent un peu plus la carrosserie par rapport au haut des ailes en fait. Du coup ça va lui donner une gueule plus sportive. Exactement, ouais. Le fait que les jantes soient vraiment plus en raccord avec le prolongement des ailes, ça la rend plus sportive. Et est-ce que ça change aussi le comportement routier? Ouais, très légèrement du coup, parce que bon, on n'est pas non plus en course, on n'est pas sur des voitures qui font 500 chevaux et à grappiller une seconde sur un circuit. Et oui en fait, le fait d'élargir le train d'une voiture, ça change le comportement et ça améliore la tenue de route. D'accord. Et est-ce que ça peut, on va dire, user prématurément le moyeu, les roulements Moi, on m'a dit que tant qu'on n'abuse pas... Si, voilà, c'est comme tout. Si on n'abuse pas, il n'y a pas de problème. D'accord. Si on prend le cas extrême et qu'on élargit un train, je sais pas, de 5 cm et qu'on roule à fond dans tous les virages, ouais, ça va user prématurément. Là, on est sur 12 mm, une utilisation normale. Pas de souci. Écoutez, on va commencer du coup par démonter les roues. Alors il y a forcément une méthodologie à respecter quand on pose justement des cales. Tu peux nous expliquer rapidement? Là, bien nettoyer le moyeu pour la pose des pièces et puis le serrage au couple aussi principalement. D'accord. Et la pose d'une graisse cuivrée. On en parlait tout à l'heure et ça on montrera dans la vidéo. Donc écoutez, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la DS5 avec ces fameuses cales. On vous a fait quelques plans juste avant pour montrer comment elle était. Et vous m'avez reproché dans la dernière vidéo de ne pas montrer la voiture dans sa globalité. Et c'est vrai que du coup, vous avez du mal à vous rendre compte, en fin de compte, de la transformation. Donc cette fois-ci, je prends en compte vos commentaires et je ferai gaffe à ce petit détail. Donc là pour le moment, Fred va juste nettoyer donc le support moyeu pour justement poser la cale et on espère que ça rentre parfaitement dessus. Pourquoi c'est important de nettoyer justement ça? Pour éviter les vibrations. D'accord, ok. Donc là, graisse cuivrée justement pour éviter que la cale reste collée à l'avenir si justement je vais la retirer. En fait, ce qu'on a vu avec Maxime, c'est qu'on va essayer de mettre donc la 5 sur un côté et la 12 sur l'autre. AR Motoren m'avait suggéré de mettre du 12. Parce que 5 en définitive ça représente que dalle, mais je trouvais que la roue était déjà proche de la carrosserie. Donc du coup on va faire le test. 5 à gauche, on va mettre 5 à droite, excusez-moi, et on va tester la cale de 12 de l'autre côté, on verra. Mais je pense que 12 ça va être beaucoup trop. Donc là on replace. En fait c'est nickel, c'est tout juste. En fait au début quand on l'a placé ça voulait pas rentrer, on a eu peur, on s'est dit putain on n'a pas les bonnes. Mais en fait c'est juste qu'il y avait tellement de rouille que du coup bah ça rentrait pas parfaitement. Fred a posé donc la cale de 12 pour l'arrière, donc même procédé qu'à l'avant, et du coup il va reposer la roue tout simplement, et du coup les bougeons sont beaucoup plus longs parce que forcément il y a aussi l'épaisseur de la cale à prendre en compte comparé aux anciens. Regardez la diff. Donc voilà, là ça va vraiment, on va pouvoir voir ce que va rendre justement la pose des cales à l'avant et à l'arrière sur tout un flanc. Tu me dis je te la mets. Enfin je te la mets. En tout bien, tout honneur bien entendu. Voilà, ça va, là ça va, l'arrière c'est vraiment radical. Ça pour moi l'avant ça va être trop. Ouais ça aurait été trop à l'avant.
Bon voilà les amis, écoutez, on a du coup posé la voiture au sol pour savoir s'il était préférable de mettre du 12 à l'avant ou du 5. Et clairement, c'est beaucoup 12. Mieux avec le 12. Ouais, c'est 12, ouais. Et en plus, c'est plus sécurisant parce que on n'avait pas de portée avec le 5 en fait, ouais. Suffisante. Alors qu'avec le 12, il y a une portée qui est une gorge dessus, t'as vu. Ouais. Donc, ouais, mais là, ça fait vraiment nickel. Hein. Moi, j'aime beaucoup comme ça. Ça fait tout de suite beaucoup plus sportif. Et non, je suis vraiment fan. Et toi, t'es fan? J'adore. T'adores? Ou t'as juste hâte que ça se termine? Non. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la voiture sur le. Sur le pont ouais. Et du coup on va retirer le 5 à droite et donc justement les cales qui seront à gagner donc ce sera bah après forcément c'est assez limité au niveau bah, des personnes à qui ça peut s'adresser parce que forcément il faut un anthrax bien particulier pour la et il y a du 4 trous alors que bah je sais pas mais bon on essaiera de voir si on peut pas réaliser un petit jeu concours comme ça pour faire gagner. Et au pire, je l'ai fait gagner avec une petite dédicace et la personne pourra les garder. Donc voilà, écoutez, on remet ça sur le pont et on passe tout en 12 et on aura fait. J'ai fait exprès d'apprendre les plans pour laisser le final, d'accord ? Vas-y. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire que Maxime va te mettre sur sa chaîne YouTube, Maxime Eleanor sur YouTube. En gros, bah comment s'effectue une collaboration avec une marque? Comment je fais pour justement réaliser ce genre de vidéos qui sont en collaboration toujours avec des collaborateurs extérieurs. Donc allez voir si ça vous intéresse. Donc voilà les amis, la vidéo se termine. Donc comme vous avez pu le voir, les élargisseurs de voix, ça rend vraiment la voiture beaucoup plus agressive, beaucoup plus belle. Et donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like des familles, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et dans le prochain épisode, on va monter ce genre de choses sur justement la DS5. Alors on n'est pas sûr de savoir si ça va vraiment faire... Ce que je te proposais, c'est de le faire en post-test, ouais. Avec peut-être du double face, en tout cas un système qui permet de que ce soit pas permanent. On regarde, on voit et puis on a vite derrière quoi. Du coup, voilà, vous savez ce que sera justement la prochaine vidéo sur la DS5. En tout cas, j'espère que ce genre de contenu vous fait toujours autant plaisir. Allez, salut tout le monde.